Bonjour, madame. Monsieur, où allez-vous Je prends le métro au Montmartre et au Sacre-Cœur dans le 18e arrondissement parce que j'ai une affaire. Quelle sorte d'affaire Une affaire criminelle Je garde tous les 20 arrondissements de Paris et les citoyens. C'est mon emploi. Je suis un voleur. Le voleur de Paris, vraiment. <laughs> Il y a plus de 10 millions de voyageurs au Sacre-Cœur chaque année. C'est trop facile voler leur argent. Ah ah ah. C'est terrible. Les voyageurs veulent apprendre l'histoire du Sacre-Cœur parce qu'il est le plus haut point de Paris et il est très joli. Je le connais. Je vais à tous les monuments populaires souvent. Après le Sacre-Cœur, je vais à la Tour Eiffel dans le 7e arrondissement. Vous êtes incroyable. Les 7 millions pauvres voyageurs. Ils veulent apprendre de la Tour du Fer. Au-dessous de la Tour est le grand jardin Champ de Mar où tout le monde fait un pique-nique. C'est triste que vous volez leur argent. Madame. C'est mon emploi. Les voyageurs sont stupides. Ah! Je vais vous arrêter. Je vais vous pousser en bas de 300 étapes d'escalier au Sacre-Cœur. Ou, je vais vous pousser dans le Seine vers la Tour Eiffel. Je regrette que je serai à la gare de Lyon, aussi dans le 7e arrondissement. Il y a millions de voyageurs à la gare tout le temps. Oui. Je connais où est la gare de Lyon. C'est nord de le Seine. Je vais vous suivre. Je vais vous arrêter. Désolée, madame. Mais je suis le meilleur criminel à Paris. Je vais monter un train à la gare et disparaître au deuxième plus grande ville de France. D'accord. Je reste à Paris, mais peut-être je vous pousserai sous un train à la gare avant votre départ. Je dois protéger la grande ville de Paris. Vous pouvez essayer de me trouver. Au revoir. Oui. Au revoir monsieur le criminel.